Eh bien salut à tous les amis, c'est Virtuos, j'espère vraiment que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui on se retrouve sur GTA 5 Online pour faire part d'une petite information en ce qui concerne l'événement de ce week-end, donc un événement spécial Halloween sur GTA 5 Online. Donc vous avez pu déjà le voir, et si ce n'est pas le cas, bah écoutez, je vais un peu vous briefer et vous dire un peu ce qu'il y aura durant cet événement. Vous pouvez voir que sur la carte il vient d'y avoir une caisse qui vient d'être larguée. Donc je vais y aller tout de suite, comme ça vous verrez par vous-même que même sur les sessions solo, sessions sur invitation solo, les caisses sont larguées. Vous allez pouvoir durant ce week-end gagner 3 t-shirts, donc un t-shirt le vendredi, un t-shirt le samedi et un autre t-shirt le dimanche. Donc il y a 3 t-shirts différents. Malheureusement je n'étais pas là hier, donc je n'ai pas pu gagner le troisième t-shirt, mais c'est pas grave. Mais en tout cas je vais essayer de gagner celui de samedi et celui de dimanche. Alors vous aurez aussi du double XP et du double dollar comme à chaque événement, mais pour cela il vous faudra impérativement réaliser des matchs à mort, je crois. Ça doit être des exterminations ou des affrontements. Vous faites des affrontements et des exterminations et vous risquez sûrement d'avoir du double RP et du double argent. Après il y a un autre concours Snapnatic comme à chaque fois. Vous prenez en photo, etc. Il y a des réductions sur les masques et je sais plus trop quoi. Attendez, je vais vérifier. On va aller chercher le casque en même temps. 50% de remise sur les articles d'Halloween. Donc il doit y avoir des nouveaux articles qui sont disponibles à l'achat sur dans les masques et tout ce qui est vêtements, je pense. Après je suis pas sûr, mais je pense que oui. Après si vous avez eu le premier t-shirt qui est le t-shirt Flash, moi là je vais aller débloquer le t-shirt qui s'appelle le t-shirt Bobo. Donc voilà. Et le dernier t-shirt qui s'appelle le Fever 105 FM. Donc ça doit être une station de radio. Donc vous prenez ces t-shirts et comme vous voyez je suis dans une session solo. Donc là on est en train de me tirer dessus. Ok. Allez vous faire foutre. Non, je l'ai pas eu. On va l'attendre. Voilà, on va prendre le minigun. On se fait pas chier, voilà, minigun. Je vais mourir. Non, ils sont morts. Voilà, on va aller chercher la caisse. Si elle a pas disparu. Donc vous pouvez même être en session sur invitation. Il n'y a pas de souci, vous pourrez récupérer les caisses. Rockstar a bien stipulé qu'il mettrait beaucoup plus de caisses. Qui larguerait des caisses beaucoup plus souvent que d'habitude. Comme ça vous pouvez absolument avoir les t-shirts, parce que quand vous êtes dans des sessions multijoueurs, voilà quoi. Donc vous voyez que la caisse est vraiment très très grosse. Oula. Voilà, donc oui, il faut la casser. Je monte dedans et voilà, 2500, 2000$ et 250 RP. Je n'ai même pas reçu le t-shirt. C'est de la dégueulasserie. C'est dégueulasse. J'ai pas reçu le t-shirt, mais c'est pas grave, on va tenter notre chance pour la prochaine caisse. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. En tout cas, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Vous pourrez lâcher tous vos avis dans l'espace commentaire et lâcher un petit like comme à chaque vidéo. J'espère que vous aussi, vous débloquerez ces t-shirts. N'hésitez vraiment pas à m'envoyer toutes vos photos via Facebook et Twitter. D'ailleurs, je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Tous les liens seront dans la description. Et nous, on se retrouve dans de prochaines vidéos, que ce soit sur GTA 5 ou d'autres jeux. Allez, ciao, bye bye tout le monde. Si jamais tu cherches des abonnements Xbox Live ou des points Microsoft pas chers, je te conseille d'aller faire un petit tour sur le site d'abonnement Xbox Live qui se trouvera dans la description.